soupe, un carambar, un dix soupe, un bonbon, deux, trois, un, deux, trois. Alors, tu fais encore un dessin pour être la chouchoute de la maîtresse? Je ne suis pas une fille. Oh, mais dis donc, c'est pas terrible, ça. Attends, je vais t'arranger ça. Hé, mon dessin! Laissez-moi tranquille! Tiens, bien fait pour toi, l'intello. Réflexe, la chouchoute. Aïe. C'est bien fait pour toi. Va pleurer dans les jupes de ta mère. Et surtout, ne raconte ça à personne. Sinon, tu vas morfler. C'est gentil de nous avoir préparé notre goûter. Hé, mon goûter! En plus, c'est mon gâteau préféré. Préparé par ta petite maman chérie. Tiens, mange-le maintenant. Ça va? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu vas me faire encore, toi et ta bande? Je me suis déjà fait harceler avant et j'ai voulu faire la même chose pour me venger. Moi, on se moquait tout le temps de ma taille et on me harcelait parce que j'étais différente. Maintenant, je me rends compte que c'est pas bien ce que j'ai fait avec mes copines. Tu veux bien m'excuser? Oui, d'accord. Viens, on va aller voir la directrice et tes parents. Le harcèlement, c'est quoi? Il s'agit de violences répétées qui peuvent être verbales, écrites, physiques ou psychologiques, commises par une personne ou un groupe à l'égard d'une autre. Les conséquences peuvent être très graves pour les victimes. Isolement, renfermement sur soi-même, manque de confiance en soi, baisse des résultats scolaires, mal-être. Le harcèlement n'est pas acceptable. Ce n'est pas de ta faute. Ne reste pas isolé. Pour l'arrêter, il faut en parler. Si tu es victime ou témoin d'harcèlement, préviens ta maîtresse ou ton maître, tes parents ou un adulte. Tu peux aussi appeler le 3020. N'hésite pas à demander de l'aide. Il y a toujours une solution. Et surtout, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ensemble, nous pouvons mettre fin au harcèlement.